été possédé, il avait décrit, les djinns en parlaient par sa bouche. Et bien, il croit que les guéris, ça laisse une ouverture entre lui et le monde des djinns, qui fait qu'il peut les attraper juste en demandant à Allah Tabaraka Ta'ala. Et en récitant ce verset, Aïna Madakounou, y a-t-il pour moi que j'aime bien l'inondant à la Kulisha et Fadir, qui signifie où que vous soyez, Allah vous ramènera tous, car Allah est capable de tout. Et ainsi les djinns ramènent. Et quand les djinns viennent pour discuter avec eux, là aussi, nous avons découvert qu'il n'y a pas besoin de beaucoup parler. Il suffit de leur citer des versets du Coran et ça va les toucher. Et ça va modifier leur corps jusqu'à ce qu'ils se convertissent. Ça change leur ténèbre en lumière. Donc nous allons faire une démonstration, Inch'Allah. Voilà, nous avons quelqu'un que nous n'allons pas montrer à la caméra. Donc le fils est ami d'une fille Malba, ça veut dire hindouiste. Et la fille voudrait quitter la religion Malba. Mais le prêtre lui a dit que si elle quitte, il faut qu'elle paye 5000 euros. Sinon, elle va avoir trop de problèmes. En même temps, le garçon a peur parce qu'il y a beaucoup d'autres garçons Malba qui convoitent cette fille. Donc il a peur qu'il lui fasse la sorcellerie. Donc on va, Inch'Allah, chercher tous les djinns qui sont relatifs à cette histoire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير Bonjour. Tu es avec la fille? Explique-nous cette religion, ça fonctionne comment, la religion des Malbars? Parce que je joue de moi. Pour jouer de des humains? Oui. Oui, c'est-à-dire? Tous les sacrifices que nous faisons, oui. C'est pour nous. C'est uniquement pour les djinns? Oui. C'est pas pour le dieu? Non. Pour les esprits des ancêtres? On est obligé de passer par là. C'est-à-dire, vous faites semblant qu'il y a Dieu, qu'il y a les esprits des ancêtres. Ah oui. Mais c'est vous qui êtes derrière tout ça. Voilà. Et les gens donc vous adorent. C'est ça? Oui. Et en échange, qu'est-ce que vous leur donnez? On leur donne rien. Rien? Ah bon, d'accord. Et vous, qu'est-ce que vous gagnez dans ça? De la nourriture. C'est juste pour vous nourrir. Et pour se moquer de vous. Ah bon, d'accord. Est-ce que tu peux m'expliquer quelle est votre relation avec Iblis? C'est notre. C'est votre père? Oui. Donc vous êtes des chayatines? Oui. Ou bien des acolytes? Il y a qu'un seul ifrit dans les temples. Dans chaque temple, il y a un seul ifrit? Oui. Et quel est le rôle du ifrit? Il doit nous sauver. Il doit faire en sorte que le travail de notre père soit fait comme Dieu. Alors, pour l'information, l'ifrit est un métis du djinn et du shaitan. Les chayatines sont la descendance de Iblis, comme Allah a dit. Est-ce que vous le prenez lui sa descendance pour mettre à ma place? Donc la descendance de Iblis sont les chayatines. Et les ifrites. Qu'est-ce que ces gens font là? Et pourquoi ils le fuient? On file pour mettre sur un dernier, pour expliquer la religion des Malbar, de cette situation, de cette vie, etc. Tu veux briser notre travail, ça? En fait, puisque tu me poses la question, moi je veux vous sauver de l'enfer pour que vous alliez au paradis. Qui allait aller en enfer. Ah bon? L'enfer, elle a été créée que pour les humains. Ah bon? Ah bon, c'est comme ça? Qui vous a dit ça? C'est Zouzoula. Zouzoula? Oui. C'est qui ça, Zouzoula? C'est l'ifrit de notre temple. Ah ben, nous avons appelé Zouzoula. Nous allons rentrer sur de faire connaissance avec Zouzoula. Aïna Mahate Gounoya, tu es comme un bon Dieu. Bonjour, c'est Zouzoula. Par quelle magie avez-vous appelé? Nous avons appelé par la parole d'Allah. Aïna Mahate Gounoya, tu es comme un bon Dieu. Et Nafar Ala Koulishen Khadir. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Abdraouf. Tu entends parler de moi? On dirait que ça te fait un choc, Zouzoula. Bon, Zouzoula, je t'ai appelé parce que... Je veux partir d'ici, laissez-moi partir. Mais il faut qu'on finisse notre discussion d'abord. Je ne veux pas parler avec toi. Tu veux pas parler avec moi? Non, et mais tu ne m'approches pas. Tu veux même pas que je m'approche de moi? Non. Tu vas pas me dire que tu as peur de moi? C'est pas toi, c'est ce que tu dégages. Il y a quelque chose qui se dégage de moi, ça? C'est quoi? Un espèce de... si je m'approche de toi, je vais fondre. Tu vas fondre? Attends, on va essayer quelque chose, regarde. Qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Ça va maintenant?
Ne t'approche pas, tu restes. Non, mais dis-moi si ça te brûle encore, si ça te fait quelque chose. Ça ne fait plus rien maintenant. D'accord, on peut discuter alors. Dis-moi, Susuna, le shaitan qui était là, il nous a dit que tu leur as dit que l'enfer, c'est seulement pour les humains. C'est vrai, ça? Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. Ah, tu les as bernés. Sinon, ils ne feront pas le travail comme on veut. D'accord. Bon, Susuna, alors, toi, quelle est ta relation avec Iblis? Je suis dit directement à lui. D'accord, tu lui fais le compte-rendu des activités? Voilà. Est-ce que tu lui remets une liste? Oui, bien sûr. La liste de qui? De tous ceux qui ont un sacrifice et des cérémonies à faire. Ah, tous ceux qui sont venus au temple, oui. Demander des sacrifices, voilà. De prendre des choses et tout ça, tu mets leur nom sur une liste et tu amènes ça à Iblis. Voilà. C'est ça. Et ensuite, qu'est-ce que Iblis te donne en échange? Ah, je peux m'asseoir sur sa chaise pendant une nuit entière. Waouh! Il te donne aussi la couronne? Oui. Tu as déjà eu la couronne? Non. Ah, tu n'as jamais eu la couronne. C'est que le prophète Sosan m'a dit que toutes les nuits, les chéatines se réunissent avec Iblis. Chacun fait le compte rendu de son activité. Celui qui a fait le plus de mal pour provoquer le plus de bien, et bien Iblis va lui donner la couronne pour cette nuit-là. Donc celui-là, il n'a jamais eu la couronne malgré toutes ses participations au concours. Qu'est-ce que je voulais te dire? Bon, la chambre d'avance qu'on en était. Alors la liste, là, ça représente quoi, la liste que tu remets à Iblis? Ce sont les égarés de votre ceux d'entre nous qui se sont égarés, oui. Et qui sont rentrés dans la religion d'Iblis. Oui. Les adeptes d'Iblis, quoi. Voilà, c'est pour qu'ils puissent envoyer le plus faible d'entre nous pour l'égarer lorsqu'il va rendre son âme. Donc, ils gardent cette liste pour chacun au moment de mourir, voilà. Ils envoient quelqu'un vraiment pour l'égarer, pour qu'il meure. Selon le degré de foi qu'il avait. Selon le degré de foi, ils lui envoient un pour l'égarer au moment de sa mort. Voilà. Vous êtes combien à faire ce genre de compte-rendu à Iblis, Zouzoula? On est beaucoup. Pourquoi? Si ce n'est pas des temples, c'est des sorciers. Si ce n'est pas des temples, c'est des sorciers. Voilà. Si ce n'est pas des sorciers, c'est les Maulanas. C'est ça, non? Comment connais-tu toutes ces choses? Bon, c'est à force de vous fréquenter. Et si ce n'est pas les Maulanas, c'est les marabouts. C'est ça, non? Et si ce n'est pas les marabouts, c'est les pasteurs. Je connais Illuminati. Hey, j'entends parler de ça, on parle de ça sur Internet. C'est quoi l'Illuminati? C'est l'œuvre la plus grande que mon père a pu créer. Waouh, raconte-moi ça. Ouais, vas-y. C'est la plus grande, je dis bien, la plus grande puissance que mon père a. Tôt ou tard, son fils, le plus grand. Viendra. Ah. Son fils le plus grand viendra? Oui. Tu parles de qui? De Dieu. Dajjal? Oui. Donc les Illuminati préparent Dajjal? Oui, oui, oui. Hein? Et les Illuminati ont des pactes avec Iblis? Bien sûr, du plus bas degré jusqu'au plus haut. Eh ben, Zouzoula, vraiment, tu nous en apprends des choses. Je connais beaucoup de choses. Wow. Tu connais quoi d'autre, Zouzoula? Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire à mon père, sinon... Hein? D'accord. Alors, dis-moi juste dans l'oreille, alors. Les présidents, ouais. Oui. Ouais. Et les rois. Et les rois. Oui. Ouais. Il y a beaucoup dans les pays arabes. Il y a beaucoup dans les pays arabes. Avec eux. Vous êtes avec eux? Oui. Et qu'est-ce qu'ils font pour vous? Beaucoup de sacrifices. Beaucoup de sacrifices. Oui, 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 beaucoup. Waouh. Genre quoi? Ils tuent des humains. Ils tuent des humains? Oui. Ouais. Et le plus beau, le plus grand des sacrifices, c'est de tuer un bébé. Le plus beau, c'est de tuer un bébé. Oui. D'accord. Tiens, Zouzoula, vraiment, tu nous as fait beaucoup plaisir aujourd'hui. Oui. Est-ce que tu acceptes d'être musulman au nom d'Allah? Non, après, vous allez me mettre le cachet de la honte. Je veux pas. Le cachet de la honte? Oui. C'est quoi ça? Cette espèce de lumière qui vous suit partout. Je veux pas de ça. Sinon, mon père saura que je l'ai trahi. Mais pourquoi c'est la honte? C'est la lumière? Non, c'est une honte. It has been full of bloodshed. According to Professor Carter, he says that the 20th century has been the most bloodiest century ever. More blood has been spilled in this century than in any other time in known history. And then they say religion causes war. More people have died under the banner
of secular ideologies rather than the banner of religion from a numbers game. The real terror is actually the state or the ideological type of terror, because far more innocents have died. For example, Zbigniew Brzezinski, in his publication Out of Control, Global Turmoil on the Eve of the 21st Century, ça consiste à attraper les djinns pour les convertir en islam. Comment est-il possible qu'un être humain attrape les djinns? Quand quelqu'un a été possédé, il a fait des crises, les djinns en parlaient par sa bouche. Et bien, une fois qu'il est guéri, ça laisse une ouverture entre lui et le monde des djinns.